est là-bas. C'est bien, Jordan. Allez, Jordan. Allez, Corentin! Jérôme, non? C'est Jérôme le Breton? Ah, le Breton, oui, là, ça passe trop fort. Ah, vas-y! Allez! Ça route, c'est con. Pas de caisse sec dessus. Regarde derrière, regarde devant. Allez, Corentin. Allez, 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 allez,
Deux tours. Et les mecs s'assurent. Une victoire en Bretagne, ça se marque, un champion, le futur pro sûrement, Romain Morozzo vainqueur. Temps du dernier tour, 11 minutes 40. Et peut-être le doublé peut-être pour la formation du Guidon Chalettois avec Renaud Racco qui a contré dans le dernier tour. Et c'est donc Renaud Racco, l'homme 13 victoires l'an passé, qui vient prendre la deuxième place ici sur la belle rondaise. Ah, les Costas Mauricains étaient un petit peu fatigués dans ce dernier tour et c'est donc un Côte d'Armor qui va monter sur le podium tout de même en prenant la troisième place. Vous pouvez l'applaudir bien fort, ils se sont très très bien battus aujourd'hui, le troisième, et c'est le meilleur grimpeur, c'est Jérémy Bescon qui termine donc à la troisième place. Voilà, il y a deux anciens pros chez dans les trois premiers et un pur tour pro vraisemblablement, Romain Barroso qui vient de s'imposer. Voilà, si tu nous entends, Romain Barroso, merci de nous rejoindre maintenant. L'arrivée du peloton, réglée par le sprinter de Kevin, me semble-t-il, l'excellent sprinter, Romain Patel. Romain Patel, bravo. D'autres coureurs de Lorient qui en terminent, à l'image de Jérôme Le Breton. Sans problème, une vingtaine d'hommes qui en terminent pour les places d'honneur avec Antoine Prodhomme, sixième l'année dernière, de la Pivoli à l'Opiné.